Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Three Kingdoms où on va pouvoir continuer notre petite grosse aventure, hein, toujours, hein, pour essayer de conquérir la Chine dans son ensemble. Alors, on en était où ? On en était, qu'on va recaler un peu, genre comme ça, voilà. On avait Dongzhuo qui était en train de reculer, hein. Il est assiégé ici, il a perdu là. Ça sent un peu le pâté pour lui. Par contre, on avait de notre côté la capitale à défendre, là, la cité impériale à défendre. On avait du coup des gros problèmes de nourriture. Il va vraiment falloir qu'on y travaille. Et ici, on avait la possibilité de prendre un marchand de soie pour se débarrasser de ces cons. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Ici, il a une armée qui est en train de se refaire et la garnison est dans le mal. Et nous, on n'est pas non plus ultra en forme, hein. On va y aller quand même. Et on va... il acceptera pas de reddition. On va les affamer. Pour l'instant, il y a relativement peu de risques que des renforts arrivent. Relativement, hein, on s'entend bien. Ici, on a l'armée de Lubu. Peut-être un petit peu compliqué d'y aller seul. Je pense qu'on va peut-être se replier dans la cité avec elle. Nous marchons ensemble. Déjà, ça aidera un petit peu l'ordre public. Et comme ça, au moins, elle pourra se refaire. Ici, par contre, je pense qu'on va essayer d'aller choper cette armée-là, qui est la dernière armée de Kang Xiang qui traîne derrière nous. Au royaume de Heshan. Donc, on va avancer jusqu'ici. Et on va voir si on peut pas la choper pendant qu'elle passe. Ce n'est pas possible. Elle est en marche forcée, mais elle est en train de prendre cher en attrition. Donc si on peut la choper, ce sera toujours ça de fait. Et ici, bah, va falloir tenir, hein, s'il décide de faire demi-tour avec ses armées. Là, alors là, on a cette armée-là. Qui doit essayer de s'occuper de ça. Hein. Pour l'instant, ça va être la priorité de traverser. Ah merde, j'avais pas vu que j'étais en marche forcée, fait chier, bon, tant pis. Bah, on verra si là il essaie d'attaquer ici, elle fera pas tomber la cité toute seule. Hein. Je ne peux pas. Royaume de Heshan également, cette armée, beaucoup trop faible. On va pouvoir avancer, même si on a des gens qui s'entendent pas trop, tant pis, hein, on essaiera d'arranger ça un autre jour. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est faire une paix avec elle. Que voulez-vous ? J'ai regardé un peu, il n'y a pas moyen. Pour l'instant, en tout cas, elle veut pas. Elle, on était rentré en guerre contre elle uniquement à cause de la fraction de seconde où on a été premier ministre des Han, là, avant que le jeu recalcule que ça servait à rien. Et du coup, ça fait un peu chier, quoi. C'est cette guerre-là supplémentaire qui nous casse un peu les couilles pour que dalle. J'aimerais autant m'en passer. Du coup, on va essayer de faire la paix si possible, quitte à lui faire une défaite quelconque avant. Bon, d'un autre côté, elle tient un grand bourg, hein, ça serait intéressant de lui marcher dessus, mais si elle fait ça relou, on le fera. En attendant, on va plutôt aller essayer de faire la paix avec elle pour diminuer un peu la pression. Tiens, j'avais pas vu, on a une réforme à prendre. Alors, est-ce qu'on peut pas prendre des trucs intéressants? Je crois qu'on essayait d'aller du côté de ces cavaleries. Non, des cataphractes ou un truc du genre, non? C'était pas eux? Cavalerie lancière, et voilà, on allait de ce côté-là. Moins 8% de coût de recrutement de l'infanterie de mêlée. Plus de satisfaction de l'avant-garde et de la meilleure cavalerie. Ça me paraît pas mal, moi. Le pire paysan, on s'en fout un peu. Bon, sachant que pour l'instant, il faut absolument qu'on arrive à mieux gérer notre nourriture. Donc la priorité, c'est d'aller prendre ce truc. Merde, on a un niveau, putain, j'avais pas vu. On va les affamer. On va prendre notre niveau quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Plus de vitesse de charge et riposte puissante. Sachant qu'on a quand même deux unités qui chargent dans son régiment, c'est pas si mal. Ça non, c'est de la merde. Annulation de charge, immunité à la peur et à la terreur. Alors c'est pas mal aussi pour les mecs qui tiennent la ligne.
Mais je pense qu'on va prendre l'intensité. Pour rendre un peu plus efficaces les charges de nos mecs à hache et de là. Mais donc du coup, regardons un peu ça. Il est dans le mal, on va exiger la reddition, il veut pas. On va donc l'écraser. Ça lui apprendra à pas vouloir. Si la fortune nous sourit, la gloire nous est assurée. Ça permettra que cette armée-là sera dans un territoire ami pour commencer à se refaire, parce qu'elle a quand même bien douillé lors du dernier combat dans la neige là. Elle était assez épique, mais assez coûteux. Mais j'en doute. Résolvons nos différends au combat. Ah ouais, on va résoudre nos différends au combat, y a pas de souci. Alors, ok, très très bien. Donc tous nos archers, formation dispersée, hop, on a une petite baliste qu'on va placer par là. Je suis pas sûr qu'elle arrivera à grand chose, mais bon, si elle fait quand même quelques morts, ce sera toujours utile. Notre cavalerie s'est fait défoncer lors du dernier épisode, donc voilà. Nos champions sont à peu près remis quand même, ça c'est cool. Personne qui a de formation particulière. Notre ligne de front, bon, quand même plutôt conséquente. Eux, on va les concentrer sur le flanc pour essayer de vraiment faire céder un côté le plus vite possible si on peut. Et ils sont mis là-bas, d'accord, très bien. Alors, on va essayer de diminuer leurs archers. Donc ils s'appuient sur la maison là-bas. C'est valable, hein. Archers aux ordres. En avant. On va donc se placer, on n'est pas en stress. Ils ont pas de formation dispersée, en plus ça c'est cool, donc ils vont vraiment se prendre tout dans la tronche jusqu'au bout. Préparez-vous. Quoi, t'as un truc négatif toi? Y'a un rival, lien par serment. Non, ça a l'air d'être que du positif pourtant. Peut-être que rival est considéré comme comme du négatif, pourtant c'est plutôt cool hein. Guerrier, marche. Notre petit bout de cavalerie va aussi aller là, tiens, tant qu'à faire. Ça fait le taf, hein, ils étaient 155, ils sont beaucoup moins, en plus ça dégage un peu à côté. Ah, il se met à avancer. Est-ce qu'il y a des trucs? Tiens, il y a un capitaine ici, on va essayer de lui taper un peu dessus. Ou sur les guerriers lanciers plutôt. On va essayer de taper sur les guerriers lanciers. Enfin, quoi que non, vu qu'ils se déplacent maintenant, on va taper sur ceux qui sont devant. Parce qu'il y a plus de chances que ça rebondisse derrière. Il y a quand même eu quelques morts, hein, c'est cool. Bon là ça se cogne dans les arbres. Pas de chance. Est-ce que je peux voir un tireur? Ah oui non, je peux pas voir les tireurs, oui ok très bien, je peux les voir comme ça en les sélectionnant directement, parce qu'en fait je peux pas les voir parce que là, on les voit jusqu'ici et là la balise prend le relais, donc du coup elles sont relativement invisibles. Ah, du coup quand ils sont comme ça ils sont quand même vachement plus compacts hein. C'est un peu chiant ça. Garde à vous! Allez sur le champ! En avant! Paré! Guerrier, marche! Au pas de route! Aux armes! Au allez, pas doublé. C'est parti, vous pressez allez vous le bouger pas. Les fesses. Pressez le pas. Alors, ici, ils ont décidé de charger par là. Pourquoi pas?
Regardez c'est quoi, les fuites. Garnier lancier. On va les faire courir un peu. La cavalerie qui est là, elle va contourner. Voilà, ici on les charge comme des porcs avec nos haches. On va faire le tour et on va les charger par derrière. De notre côté, vous là, faut arrêter de faire n'importe quoi. Vous allez me charger ces tireurs en speed là. Alors ici du coup c'est un peu le bordel. Les mecs ils chargent. Très très bien. Vous. La victoire nous attend. Une petite charge de dos là, donc on va encaisser cela en passant, mais c'est pas grave, ils vont se faire découper. Préparez-vous. Cavalerie, parez. Mais pourquoi vous courez pas vous? Putain, courez un peu. Non, pas ça. Ici, ça se passe comment? Regardons deux secondes. Il y a juste là que c'est engagé. Ce qui veut dire que vous, vous lâchez ça et vous courez là-bas. Vous, vous lâchez ça, vous courez dans le dos de ces gens. Vous, pareil. Laissez tomber les fioritures. Ici, c'est la grosse baston. Toi, arrête de charger des gens qui ne servent à rien. Alors ici, vous, occupez-vous plutôt de ça. Ici on va le charger de dos, ce sera parfait. Alors là on les a annihilés, nickel. On va donc faire une petite charge par ici. Bon, il n'y a plus que eux qui résistent, non ils ont cédé aussi. Où est-ce que ça résiste encore? Ah bah plus personne ne résiste. C'était une attaque de siège, donc pas besoin de les poursuivre. On peut s'arrêter là. Les troupes qui font quand même bien mal, hein, mine de rien. Des racines jusqu'au ciel. 208 morts contre presque 2000. J'aime ce genre de ratio. On a eu un auxiliaire, parfait. Ainsi, regardez nous ça. Répandrons notre parole. Alors par contre ils sont pas contents parce que c'était l'ami d'un des chefs qui était là donc et on a eu un singe de pierre et une lance familiale. Cool. Alors est-ce que quelqu'un peut prendre cette lance familiale? Expertise plus 6, instinct plus 8, détermination plus 12, ensemble du mur. Et on a déjà un truc du mur hein, donc je sais pas ce que ça fait, on peut voir ce que ça fait comme bonus. Le mur. Active la formation mur de bouclier, le mur de lance et le mur de pique. Ah bah du coup je crois qu'on a déjà, on a déjà des compétences qui vous font ça, c'est un peu dommage. Appel, Altesse. Non mais quoi que c'est pour toute l'armée hein. Que voulez-vous Altesse? Zone d'influence, nanana. Donc c'est peut-être c'est pour ça qu'on peut faire des... Bienvenue, Altesse. Des murs de bouclier votre en fait avec avec les mecs de cette armée là. Comment ça non possédé? Qu'est-ce qu'il s'y raconte? Tout à l'heure c'était vert et là c'est plus vert. Oui voilà, on est d'accord. Toc. Le mur, non possédé, non possédé. Bon ok. On va espérer que ça ne bug pas, c'est marqué en vert donc je pense qu'on l'a quand même le bonus. Du coup on va bien sûr pas lui enlever hein. Toi, t'es pas mal avec ça. Toi tu pourrais prendre ça. Mais bon, t'as déjà beaucoup de satisfaction, c'est pas forcément utile. Ici, ah bah toi tu peux carrément prendre mieux. Alors, lance traditionnelle ou lance familiale? Remarquable d'exception. Oui, donc c'est le... C'est l'argenté qui est de meilleure qualité a priori hein. Hop, l'ensemble seigneur du feu, il faut le cuir de champion. Voilà le cuir de champion. Cuir de noble, tunique de divination, non. On a déjà une armure pas mal là. On peut aussi lui mettre une meilleure cavalerie, c'est plutôt parfait. Juste avant d'aller attaquer ça, on va regarder un peu les autres du coup. Toi non,
Toi t'es déjà pas mal. Ça fait pas partie de... La prudence est inhabituelle. D'ensemble. Toi on va peut-être te donner ça quand même. Hein. Enfin quoi que, autorité plus 9. Donc on s'en fout un peu. On s'en fout même carrément. Y'a quoi dans Orateur? Classique de la piété filiale. Leur public plus 4 dans toute la faction. On n'a pas ça? Classique des montagnes et mers. Classique de la piété filiale. C'est Wenlong qui l'a. Faut qu'on récupère ça. Wenlong, Wenlong, Wenlong. Où es-tu? Wenlong, c'est un noble de la cour. Donc on va te virer ça. On va te filer une connerie, plutôt de l'instinct, voilà. Ça c'est parfait. Par contre je pense pas qu'il puisse le prendre tout de suite. Ouais non, il faut un tour avant qu'il réapparaisse, tant pis. Du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'avec Kongrong on va aller s'occuper de ça avant que l'autre il décide de se bouger. Donc là on avait défoncé la... comment... la garnison hein. Il reste carrément zéro de chaque capitaine et tout. On va la faire automatiquement celle-là. La ruse triomphe de la... Pouah, 1002 pertes quand même, hein, la vache. Bon, pas grave. On occupe. Cela répond à nos besoins. Ça nous fait du blé aussi hein, bienvenue, pour gérer un peu. Alors, on a récupéré ce truc-là. Qui fait un peu de nourriture, mais sans plus. Ce truc-là qui fait de la nourriture. Ici on a un bâtiment qui fait de la nourriture, on va bien sûr pas prendre quelque chose. Bon par contre ça nous en consomme d'autres, donc on est retombé à moins 18, ce qui n'est pas ouf. Mais c'est pas grave. Comment elle est cette truc? Donc on a une garnison ici, ok. Un bureau du registre du marchand, pourquoi pas. Un logement de travailleurs. Alors le seul intérêt de ce truc, parce que la croissance de la population pourra tout à fait le faire avec nos académies là. C'est de débloquer la ressource là. Débloquer les artisans. Ça je sais pas du tout. Alors que si on prend ce truc là, on déverrouille les industrialistes. Je sais pas du tout. Ah si, on peut voir nos ressources en haut là. Donc on a déjà des industrialistes, mais comment savoir si on a déjà des artisans? Parce que bon, ça m'emmerde un peu ce bâtiment, je pense que je vais le remplacer. Donc je vais le démolir, puis on verra bien au prochain tour si on a des artisans ou pas. Donc là on fait un peu de nourriture, c'est parfait. Avec ce qu'on a investi, est-ce qu'on peut améliorer des bâtiments qui produisent de la bouffe? Ça c'est quoi ça? Puis de jade, non. Là non, là non. Capacité des réserves plus 10, ouais. Bureau de poste. Ah, on peut pas faire mieux pour la nourriture pour l'instant. Hein. Il va falloir qu'on déverrouille vraiment des trucs. Hein. Oh la vache, faut aller jusqu'ici. Purée. Alors là, avec celle-là, on dépôt de bambou et dépôt de pain. Donc on en a quasiment pas. Machine de vannage. L'atelier de vannage, ok. Après, on débrouille des très bonnes unités hein, si on va jusque-là, mais. Débrouiller le niveau 5 de nourriture là. C'est un peu compliqué. Au niveau des ports de pêche, je sais qu'il y a... ici il y en a un, non? Absolument pas. Ici alors, voilà. Commerce portuaire, ah ouais, on fait du commerce ici. On pourra transformer ça en poissonnerie. Alors étant donné que nos revenus sont pas fous non plus,
D'un autre côté, ici, booster le commerce portuaire alors qu'on n'a strictement rien de commerce. Non, on va convertir ici en nourriture. Bureau de poste, professeur. Faudrait qu'on améliore nos revenus aussi. Ça coûte pas très cher, on va le faire. Ici, on est déjà sur du commerce portuaire. Ah non, ici on est sur du commerce portuaire, on pourrait passer à une poissonnerie. Revenu du commerce, influence commerciale. Domaine céréalier. Ouais. On a quand même pas mal de commerce, hein. 110 plus 215%, c'est quand même pas dégueulasse. Oh, la corruption qui fait mal au blé. 34% de corruption. Académie publique. Une académie de poésie. Ouais. Est-ce qu'éventuellement l'un de nos vassaux pourrait nous filer de la bouffe? Nous en sommes très honorés. Il nous aime bien lui maintenant, c'est cool. Demander un échange de nourriture. Non, ils sont en dèche de bouffe. Toi. Salutations. Demander un échange de nourriture. Qu'est-ce que tu veux? Un territoire, ah carrément. Un port de pêche. Ah bah du coup non. Certainement pas. Proposer une garantie d'autonomie, bof. Échanger les auxiliaires. Un petit singe de pierre, ça vaut 4-5 ça. Oh, ils ont de la thune, ils ont pas beaucoup de thune pourtant. Donc on propose, je sais pas moi, 1000. Ouais putain non, ça vaut rien. L'argent ne vaut rien, c'est triste quand même. Un autre auxiliaire du coup. Alors ce truc-là par contre, les discours des royaumes, corruption dans toute la faction. Ah non putain. Pour ça que j'avais dû le prendre mais. Il faudrait que je le donne à notre héritière ça éventuellement. Un serviteur sournois tout bidon, ça suffira pas. Ouais ça vaut 2. Tout ça pour 5 de nourriture. Une nourriture est chère là, hein. Clairement on sent que tout le monde est en train de souffrir. Toi, t'as quoi comme bannir, rafler, demander de l'aide, détail sous c'est là. Oui, alors toi tu vas carrément prendre ça par contre. Hop, voilà. Tu seras gentil. Et notre premier ministre, il a quoi comme équipement là? Pareil, toi, il te faut un truc qui fait un bonus sur toute la faction. Donc ça c'est. Ah, on en a deux dès comme ça. Ah bah oui, Kongrong en a un, donc on va le libérer au prochain tour et on le donnera à lui. Comme ça on aura moins 10% de corruption dans toute la faction, ça fera plaisir. Du coup, on n'a malheureusement pas trop moyen de compenser notre problème de nourriture pour l'instant. Ici on les affamait, c'est parfait. Ça irait Ici on pas. peut construire des choses. On peut améliorer ça. Vu là où c'est, un peu plus de garnison, je pense qu'on va le prendre. Et on va passer le tour. C'est parti. Nous proposons la paix pour l'instant. Alors, lui, il veut. Peu importe votre vote, la majorité de Valélie a déjà rejeté cet accord. Oui, Duché de Zong est absolument pas d'accord. Très très bien. Votre cupidité est hideuse. L'un dans l'autre, ça me convient à peu près. Il doit pas avoir apprécié toutes ses défaites, je pense, le duché de Zong, il va vouloir compenser. Alors, Lubu est en train de revenir, du coup, là. Ici, ils sortent nous attaquer.
On va la faire. On a un peu souffert, mais je pense qu'on est quand même capable encore de faire tomber ces gens. Et en plus, comme ça, on aura de la reconstitution au prochain tour. Ah, quoique, c'est pas sûr qu'on sera considéré comme prendre la ville, on verra. En tout cas, cette bataille-là, par contre, il faut essayer de la dépiauter au maximum si on peut. Faut qu'il n'y ait plus personne qui s'enfuit du champ de bataille. Alors, c'est bien dans les forêts. Bien dans les forêts. On pourrait se placer là. Les attendre, histoire qu'ils se reposent, qu'ils s'épuisent bien. On fout le feu à la forêt. Alors, on va complètement faire ça. On va se poser par là, tranquillement. Alors là, il y a trop de portée. On va foutre eux là. On ajustera quand la partie sera lancée. Voilà, mettez-vous là, parfait. La catapulte. Elle est toute seule, mais elle a quand même moyen de faire mal, je pense. Avec son tir explosif en forêt, là. Alors, la ligne de front est là, avec lui. Et puis, bah, avec lui aussi, hein, au final. C'est de l'assaut ou c'est de la... Ouais, c'est plutôt du rôle d'assaut, mais bon, ils sont un peu dans le mal quand même. On va conserver l'assaut pour la cavalerie. Ah, mais il y a des archers aussi, là. Tiens, j'avais oublié cela. Mettez-vous en formation dispersée. De toute façon, on va devoir replacer tout le monde, hein. C'est tellement le bordel, là. Ok, c'est parti. Alors, du coup... Préparez-vous, parez à tirer. Encore. Des renforts ennemis arrivent. Des renforts ennemis arrivent, c'est pas bien grave. Marche. Chargez les catapultes. Donc toi tu tires à l'explosif dans la forêt, dès qu'ils seront à la fois proches et à la fois visibles, parce qu'il faut encore les voir. Hein. Ça c'est un peu le problème je pense. Cavalerie, on va peut-être se fendre d'une infanterie, d'une cavalerie. Allez. Par là. Allez par là-bas vous. Toi tu vas rester dans le coin. On a tellement de tireurs quoi. On va devoir se battre avec nos tireurs clairement. Bon, vu la portée de notre baliste, faudrait qu'on arrive à les repérer quand ils seront dans le coin là, ce qui sera probablement pas tout de suite. On va peut-être essayer d'aller par ici, histoire d'avoir une vue dégagée sur cette partie là. Ah, ça y est, on voit des gens. Si je me mets ici, je ne vois personne. Si je me mets ici... Je vois des gens. Très bien. Par contre, ça c'est les renforts. Hein. Ils étaient plutôt déjà de ce côté-là, les autres. Hein. Tu recules un peu. Ok, je les vois toujours. Donc on va rester dans le coin un peu à l'abri de la forêt. Là. Alors, ils vont pas tarder à rentrer dans ma zone de tir, par contre moi aussi, mais faut encore qu'ils me voient. Ah, ils me voient là, merde. Cachons-nous. Ok, on va repasser en vitesse 1, histoire de commencer à voir un peu ce qui se passe. Donc c'est parti pour de l'explosif. Des paysans, ils sont tamponnes. Tire-moi là-dessus. Ça va certainement faire beaucoup moins mal dans ces conditions-là, hein, mais bon. Ok, replie-toi. Pas la peine de te prendre des tirs pour rien. On va même pas réussir à mettre le feu à la forêt, quoi. Les archers, ils tirent suffisamment loin pour mettre le feu à la forêt.
Oh, il y aurait moyen. Courir un peu. Ça y est, ça commence à brûler un peu. Feu à proximité, ça fait des dégâts. En plus, il reste dedans. Alors là, ça m'embête un peu parce qu'ils vont sortir de la forêt juste au mauvais endroit. Voilà, ils sortent de la forêt. Donc du coup, passer plutôt en tir normal. Guerriers ennemis des Garpis. Donc il y en a qui s'enfuient, les deux s'enfuient, c'est parfait. On va donc pouvoir se préparer à leur tirer dessus dès qu'ils s'approcheront. Ils ont quand même un petit peu souffert. Je vais continuer de tirer tant bien que mal. Et ça y est, on va pouvoir commencer à tirer. Donc là c'est nos tireurs qui vont faire probablement une grosse partie du travail. Hein. Ah, ils sont reformés. Là, il faut qu'on aille choper ces enfoirés. On va même le charger directement en ligne droite, vu que visiblement il n'y a personne d'autre qui a l'air d'avoir envie d'y aller. Il va falloir qu'on avance notre ligne. Alors. J'aimerais bien que vous soyez pas autant collés. Voilà. Ici pareil, un là, l'autre à peu près décalé par là. Là il est en train d'envoyer des lanciers par ici, pourquoi pas. Hop. Courez, courez, courez. Alors du coup c'est plus la peine de tirer aux flèches enflammées, hein. Ils sont plus dans la forêt. Ça sert à rien. Ici c'est bon, c'est géré. Chargez donc par là. Donc on va tasser un peu dans la forêt, tant pis. Regardez-les fuir. Lâche. Parfait, ici notre cavalerie est engagée. Ici je sais pas ce qu'ils foutent. Courez. Guerrier, marche. Pour la cause. Ne cédez rien. Alors plutôt toi là-bas, toi ici. Vous demi-tour. Cavalerie. Alors, toi, charge-moi ça. Ici, on est bien. Alors là, ils sont dans les flammes et tout, c'est un peu le drame pour eux. On va donc aller s'occuper d'eux plutôt. Eux, ils ont l'air d'être plutôt en train d'aller par là-bas, on verra. Ici, on s'occupe de leur général, qui est quand même bien en forme, hein, mais bon, on peut pas y faire grand-chose. Ici pareil, on va contrecharger, on va essayer d'aller mettre de la pression par là-bas. Ah, parfait. Vous, plus de munitions. Resserrez-vous, vous allez là-bas. Tirez et foncez donc dans le tas là. Ici c'est géré. On va donc faire un petit tour et retourner par là-bas.
Bon là, c'est toujours hein, pareil, hein, c'est... ces batailles là c'est compliqué. Est-ce qu'il est indémoralisable lui? Non, ça va. Alors là, les tireurs se font dépiauter. On va essayer de courir après cela. S'ils sont plus cuits, s'ils sont plus 12. Ça, c'est des paysans, on s'en fout un peu. La victoire nous attend. Paré, à l'attaque. L'heure est venue. Ah, ici il va être compliqué lui. C'est probablement lui qui va nous faire Arrêtez le plus chier. Les arbalètes. Arbalétriers, paré. Écumé de rage. Vous, peut-être pas forcément utile. Revenez donc par là, enfermer les autres là. Ici ils ont résisté à notre charge. L'ennemi s'enfuit. J'aurais pas cru. Plus vite. Préparez-vous. Ils sont plus que 6, là ils sont encore 30. Parfait, la victoire. Ça a cédé là, nickel. Ici arrêtez-vous. On n'a plus de munitions malheureusement pour le finir, c'est bien dommage. Alors ici, toi, poursuis plutôt ça, toi poursuis ça, et l'autre, ah, ils sont 9 là, là il y a encore du monde là, des capitaines archers, toi tu ne fais rien toi, ça ne va pas du tout, toi tu vas commencer à te bouger, hop, poursuis-moi ces cons, là ils sont 5, là ils sont 2, là ils sont 7, ouais. Toi pareil, tu poursuis personne, là-bas c'est trop loin, on va t'envoyer quand même par là. Non tiens, là ça c'est plus intéressant ça. Ils sont 2, ils sont 16, ils survivront peut-être. On va envoyer nos troupes légères courir un peu. 6 milices armées de sabre, tu vas plutôt courir après cela toi. Guerrier, écoutez-moi. Bon bah c'est plutôt pas mal. C'est bien démerdé a priori. Lui a fini, là-bas il y a 9 mecs. Allez, on va dire que c'est bon. Ici ils ont réussi à en rattraper quelques-uns, ils sont plus que 9. Là il va rentrer dans les flammes, donc ça va lui faire des dégâts pour que dalle. On va s'arrêter là. C'est une victoire décisive, il en reste plus que 79 et 75. Donc je pense que ça devrait le faire. La vertu a gagné en ce jour. Oh ouais, il n'y a plus personne. Lui, on pourrait le libérer contre de la thune. C'est presque tentant. 500, c'est une belle rançon quand même. Hein. On va le libérer. Libérez-les tous. Par contre, là, on va Nous prendre la reconstitution. De braves guerriers. Alors, le duché de Zong, ouais, faut qu'il attend qu'il envoie ses armées là où il y a de l'action. Hein. Ok, il s'est mis en campement là, très très bien. Elle, elle est en train de me faire un peu chier. Alors, on a un espion qui a été recruté. Il est devenu noble. Ah, on a un espion qui a été pris d'affection pour son maître. Le con. Bon, nos revenus s'améliorent, notre nourriture aussi, même si c'est pas encore ouf. On va aller regarder du côté des poissonneries, on peut améliorer du coup. Putain, ça coûte un bras. Hein. La vache, ça coûte tellement cher. Alors, lui a été promu administrateur et général. Ah ouais, bah, tu m'étonnes que sa loyauté est vacillante. Ouais. C'est normal. C'est normal, c'est normal.
Bon, ça devrait pas rester trop longtemps, je pense. On pourrait envoyer un autre espion, mais nos revenus pour l'instant pourraient presque nous le permettre. On va voir ça. Alors ici, on va repasser en marche normale par contre. On va traverser. Ah, on pourrait attaquer là. On va le faire. Voilà, elle va reculer. On bouge. Laissez-vous porter par la furie. Du coup, elle est hors de portée, mais elle n'est plus en mode campement. Donc elle va pas se reconstituer. Ça, c'est une armée alliée. Ce n'est pas possible. Impossible. Ici, va falloir que Zong y fasse un peu des siennes. Là. Alors là, on pourrait tomber du coup sur ce mec. Le problème, c'est que derrière, là, il y a largement de quoi foutre la merde. Hein. Ne cédez jamais. En plus, ils sont tous en renfort les uns des autres, c'est cool. Taux de succès d'une embuscade. Est-ce que je peux le voir si je me mets en mode embuscade? Non, hein. Faut que je recule ici. Toujours plus loin. Et je me fous en embuscade là. S'ils sont pas cons, ils vont savoir que je suis ici, hein, mais. À la rigueur, ça me dérange pas qu'ils le sachent, puisqu'ils sont de toute façon obligés de passer. Bon. L'ordre public, ça pique. Force locale, moins 8 à cause des forces locales. Ah ouais, y a eux qui font chier en plus. S'ils étaient pas là, ça irait. Ici, ça se compense. Bon, il faut que Kongrong, on lui file le truc là. Il est où? Il est par là, voilà. Toi, tu prends les classiques de la piété filiale, ce qui va débloquer orateur. Parfait. Ça, c'est nickel. Ensuite, toi, tu vas pouvoir prendre... du coup, il est en train de revenir. Ouais, il est en train de revenir. Sera disponible au prochain tour. Pas grave. On essaiera d'y penser. Donc ici, notre armée s'est déjà bien refaite. À votre disposition. La grande cité. On avait détruit un truc ici. On voulait construire ça. On va le faire tout de suite. Ça coûte pas super cher. Le dernier bâtiment est là. Mais alors, il y a du peuple. Hein. Putain, il y a du monde. Je ne le peux. Ça c'est Kiao Kiao, ça c'est Kiao Kiao, c'est le royaume de Wu. Ça pique. On a des espions chez Kiao Kiao? Non, hein, on a personne. De toute façon, personne qui a réussi à s'infiltrer encore. Et que lui qui a réussi à s'infiltrer. Et il est complètement à l'ouest. Par contre, du coup, on voit l'intégralité du royaume de Wu. Enfin, en tout cas, probablement. Je sais pas trop si. Abandonné, ouais, ok. Mouais. Ça va devenir compliqué avec seulement deux armées là. Hein. Toi. Faites vite. Ah, c'est plus jamais maintenant. On pourrait faire en sorte de réussir. Avec quoi? Du blé par tour et qu'on lui file une grande cité. Non. Donc on va attendre qu'elle nous attaque avec son armée là. Soit ici, soit là, dans les deux cas, on devrait être capable de la défoncer, je pense. Ça, c'est la ferme d'élevage, donc c'est ça. Ouais, la garnison largement suffisante. Et ici... La garnison est largement suffisante aussi. Avec les murs, ça le fera large. Ça le fera large, ça le fera large. Par contre, l'ordre public, 27, ici c'est 67, mais c'est à 0. Ici, 69, ça diminue. Là ça diminue aussi, mais c'est parce qu'on vient de le capturer. L'ordre public c'est pas facile, clairement c'est pas facile. Ici ça tombe à cause des réserves, ouais ici, putain moins 38 de nourriture quoi. Ah la vache. Ici on va les écraser, ça sera fait, alors on va le faire en auto hein, par contre. Quand la justice voilà. Triomphe, on festoie. C'est pour nos on efforts. Occupe un talent peu commun, on peut recruter quelqu'un, on prend. On a obtenu un arc composite, ok, pourquoi pas. On a quelqu'un qui est mort au combat et quelqu'un d'autre qui est mort au combat. On répare ça. Donc ça nous fera un peu de thunes, pas de nourriture mais au moins un petit peu de thunes.
Apprendre à quoi? De marchand de la soie, pâturage à chevaux, une cité. Putain, niveau nourriture, c'est le drame. Hein. Là, il y a des terres agricoles, des fermes d'élevage. Va falloir qu'on aille chercher ces trucs-là. Hein. Port de commerce ici. Je pense que notre première priorité, ça sera d'aller chercher ça. Avec cette armée-là, là, on va écraser ce mec et on va aller rusher les terres agricoles là. Ici, nos alliés sont enfin en train d'arriver sur le champ de bataille. Toi, je t'avais donné quoi comme cible, ce truc-là? Parfait. Au niveau commerce, on pourrait commercer avec des gens. Non, personne, tout le monde s'en fout. Créer un vassal avec ses militaires, signer un pacte de non-agression. Paix, peut-être. Ouais. Autant dire que c'est pas tout de suite. Hein. Après, là, il y a quoi? Pâturage à chevaux, mine de fer, donc absolument pas de nourriture. Ici, c'est une cité des outilleurs, pas de nourriture, ça ne sert à rien d'intégrer à quelqu'un, donc. Toi. Je ne suis pas d'humeur. Une confédération, non, ça me paraît bizarre. Le vassaliser, alors on pourrait envoyer des ultimatums, hein. Je pense que c'est des gens qui seraient capables d'accepter, mais on a déjà beaucoup trop de guerre sur notre tronche, malheureusement. Après, il y a peut-être un moment où on abandonnera l'alliance avec Zong, mais pour l'instant, il est bien morcelé, mais il a encore de la force quand même. Ses armées, il fait un peu n'importe quoi en les baladant je sais pas où, mais il a quand même encore pas mal de troupes sur le terrain. Il fait un tampon utile, on va dire. Quoi qu'il en soit, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Prochain épisode, on essaiera de tenir la contre-attaque de Lubu ici, qui risque d'être violente quand même. D'ailleurs, on pourrait même amener des renforts, on verra. On verra également comment gérer ce front-là. Est-ce qu'on s'étend par ici? Est-ce qu'on descend? On verra ça. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.